Hello tout le monde, c'est Bruno 87 pour un quatrième épisode sur notre petite aventure de Samurai Warriors 4 Empire. Donc on était ici en automne 1566. On voit qu'il y a quand même des attaques qui se font du côté ouest, mais ça ne nous attaque pas encore directement. Du coup, on va directement attaquer ici cette partie-là, étant donné que nous sommes... Les conditions ne sont pas forcément optimales, c'est-à-dire elles ne sont pas forcément à 100%, mais on a assez de monnaie pour pouvoir attaquer, donc je ne vais pas m'en priver. Donc le petit chargement qui va bien, n'est-ce pas? Je pense que des épisodes entre 30 et 40 minutes, c'est pas mal. Par contre, je vois qu'il y a énormément de zones à attaquer, est-ce que je peux changer? Non, je ne peux pas changer. Très bien. Est-ce qu'on va... On va faire une attaque offensive. Très bien. Et on va... Ça réduit un peu moins les... la force. Et on peut... Ok, donc on va faire ça aussi. On va s'amuser à rajouter un peu 2-3 trucs, n'est-ce pas? Allez, on va dans le vif du sujet. On va attaquer directement ici. Tac, 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 tac. Ok, donc la première base ennemie. Très bien. Ouh, putain. J'attaque en plus avec des chevaux, là. On chier, n'est-ce pas? Donc là, j'ai déjà 2-3 alliés qui viennent ici m'aider, n'est-ce pas? Très bien. Ok, il y en a un. C'est qui, là? C'est qui? J'ai pas vu qui c'était. Ok, j'ai un objectif. Ok, bon bah... Très bien. Allez. Allez. Il y a où un ennemi? Allez, il y a un ennemi là, juste là. Très bien. Elle doit tuer 2 officiers. Très, très bien. Alors, par contre, j'ai pas... Allez. Ça devrait... Putain, elle fait énormément mal. Mais tu vois, ça n'active pas... ça n'active pas et c'est un peu dommage parce que je pensais que ça allait être suffisant, mais en fait non. En fait il y en a en bas à gauche, parce que c'est le cas, les petits points que je vois, je sais pas, on va voir ici, si ça peut le faire, n'est-ce pas? Il y a encore une base ennemie, donc ça va, il y a apparemment un officier qui est caché je ne sais où, qui est là. Voilà, on va lui faire mal. Voilà, on lui fait même très très mal. Donc là, très belle attaque. Parfait, voilà. Mais ça valide toujours. Oh, putain, mais elle enchaîne. Je vais aller par là-bas où il y a Homer, en bas à gauche. J'ai l'impression qu'il y a un officier qu'on peut tuer. Voilà, ça c'était vraiment facile là. Très bien, à force d'accumuler tellement de, tellement de puissance d'attaque que ça en devient facile. Mais c'est toujours jouissif de... Ah voilà, c'est là. Le premier, voilà, c'était bien un objectif, il était ici. C'est le premier, voilà, Edin. Très bien. Ah, et l'autre il est là. Bah c'est parfait. Il est où? Voilà, nickel. Donc bon, on va la garder pour pouvoir lui augmenter quand même ses statistiques. On va monter par là. Ça peut être pas mal. Donc ça, c'est déjà à nous ici. Donc là, on a quand même la meilleure armée maintenant. Avant, c'était pas forcément la plus puissante. On n'était pas les plus puissants. Maintenant, on commence à faire peur à tous les Japonais qui essaient de nous attaquer. Enfin, plutôt qu'on attaque, n'est-ce pas? Parce que personne nous a réellement encore attaqué, si j'ose dire. Mais où est-ce que je dois aller? Ah voilà, c'est en haut à gauche. On va s'y rendre. On va peut-être même changer directement sur Bruno, qui est largement plus près. Très bien. Ah, c'est de l'autre côté, bien évidemment. Voilà. Avec ma superbe épée, mon sabre laser, je dirais même. Donc là, moi, j'ai la meilleure force de frappe. Enfin, en tout cas, la plus grande force de troupe, on va dire ça comme ça.
À voir si ça va suffire. Là, la petite attaque qui va bien passer. Parfait. On va encore en profiter de faire, voilà, du nettoyage de printemps. Même si nous sommes en automne dans le jeu. Voilà, voilà, voilà. Le boss qui est là, on va lui faire moins de la poussière. Ah, un objectif. On peut, mais c'est un peu fini, quoi. Un peu fini. Bon, on peut essayer de faire l'objectif. Voilà, on peut essayer. Allez. Allez. Allez, 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 allez. Voilà, parfait. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Du coup, ça va permettre de confirmer l'amitié entre les deux, ce qui n'est pas trop mal. Il est où? Il est là. En plus, il est presque mort. Voilà. Allez, laissez-le-moi. Laissez-le-moi. Je vous ai dit. Non, laissez-le-moi. Voilà, parfait. Très bien. Très, très bien. Il y a encore un petit officier ici. De toute façon, on a encore un peu de temps. On peut faire du nettoyage de printemps. C'est pas trop mal. On va directement switcher sur Bruno. Qui va faire le dernier ménage de printemps. Oula. C'est pas mal là, cette attaque. Voilà. Alors, il est où? Il est où, le boss? Voilà. Là, on va faire le nettoyage. Voilà, 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 voilà. Et puis, le petit sort là qui va bien. Et voilà. Parfait. Voilà. C'est pesé, c'est emballé, c'est nickel. Petite victoire, petite victoire. Qui nous permettra encore de gagner pas mal de points d'expérience. Ok, donc j'ai l'impression que ce soit Esther ou Victor et Homer aussi, dans une moindre mesure, vont commencer à gentiment également être promus. Ah, donc là je sens qu'ils vont être même plus que des simples amis, j'ai l'impression. Ah, très bien. Donc voilà, leur relation a augmenté. Bon, ça m'embête un petit peu, mais... Et eux aussi, très très bien. Moi je vais même pas lire parce que c'est juste pour... Petite scène sympathique. Voilà. Ok, et lui c'est qui? J'ai la classe. Ah, donc avec Kenshin, j'augmente aussi ma relation avec d'autres personnages. Très bien. C'est aussi intéressant. Donc, ah bah c'est son épouse. Bientôt. Et lui c'est... Ah, non en fait c'est même pas que j'augmente mon amitié, c'est que je deviens... Enfin, j'ai un Némésis, c'est-à-dire que j'ai un ennemi numéro 1. Autant vous dire que je vais me faire un plaisir de pouvoir le tuer dans un moment. Alors, du coup, cette zone, voilà, on est tranquille. Donc, nous, on avançait par là. Donc là, il n'y a pas de souci ici. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre ici, ce petit... Ah, il y en a deux, il y en a deux. Donc voilà, à 4. Et là, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que j'avais vu vraiment qu'ils étaient à 3? Là, ils sont à 3. Donc, voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc, en tout cas, avec ma meilleure armée, on commence à aller du côté est. C'est bien aussi, n'est-ce pas? Donc, petite cul-de-scène. Ah, bah, c'est le mariage. J'ai l'impression. Bon, ça m'embête un peu... que ce soit un peu... Bon, c'est pas grave, c'est un jeu. Mais en tout cas, c'est un bon dîner, n'est-ce pas? Entre ennemis, entre officiers, pour leur mariage. Bon, heureusement que c'est qu'un jeu, n'est-ce pas? Mais c'est-il pas mignon? Donc là, il dit qu'il va exploser de joie. Itoshii anata, konya kara hanasanai kara. Bon bah c'est très bien. Voilà, on est tous contents, même moi je suis content. Bon bah voilà, tout le monde est content. Très bien, donc se sont mariés. Bravo, et du coup bah, ça permet toujours de gagner un petit trophée bien sympathique, n'est-ce pas? Alors ici il y a encore, je pense, pour de l'amitié. Entre Victor et Sandro, le petit combat qui va bien. Qu'on va passer, voilà, ils sont devenus des alliés de combat. C'est très bien. Et du coup, on peut déléguer à Nobunaga. Voilà, donc il a préféré, ce qui est bien, comment dire,
augmenter les conditions de nos petites personnes. De notre petite personne. Très bien. Donc on va continuer. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit combat. Mais il y a une zone qui est libre. Il n'y a pas de clan. Donc je vais confirmer. Ici ça me va très très bien. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Encore une petite scène pour de l'amitié. Toujours bien sympathique d'augmenter l'amitié entre personnes. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme, n'est-ce pas? C'est ça qu'il veut dire. Voilà. Ah, un cheval! Oh! C'est cool comme cadeau. Donc, elle lui donne un cheval. Elle lui donne un cheval. C'est pas une blague, elle lui donne un cheval, quand même. C'est pas n'importe quoi. Voilà, donc c'est très bien. Ok, donc il a soigné la force de frappe d'un personnage. Très bien. Je pense que je vais envahir une zone. Celle-ci, elle me paraît... Attendez, celle-ci me paraît pas mal. C'est une grosse zone quand même. C'est une grosse zone et du coup celle-ci sera safe. Et je vais continuer du coup parce que de toute façon on est au max. C'est très bien et on va le faire en 9 minutes parce que sinon j'ai plus de thunes. Voilà, 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 voilà. C'est excellent. Mais du coup ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'amitié entre les personnages parce que comme ça je peux switcher un peu ici et là. Pour, comme je vous ai dit, pour faire différents styles de gameplay. On va faire en format serpent, on va utiliser ça, c'est marrant d'utiliser, n'est-ce pas? Voilà. Ah, je peux utiliser? Ah merde, ça dépasse, bon, on va faire ça. Très très bien, allez, on commence le combat, parfait. Je suis où? Je suis là, il y a déjà une petite zone là-bas. On va se permettre de faire un ménage. Donc en tout cas il y a des personnages qui sont un peu plus discrets parmi ceux que j'ai créés. On voit pas souvent que ce soit les personnages de Sullivan et de Maxime. Voilà. Ah ok, donc là c'est Victor qui va faire en sorte de tuer 200 personnes. Très bien. Très bien, très bien. On va tuer 200 personnes, ça va pas être très difficile je pense. Allez. Ok. On va déjà tuer cet officier qui commence à me les briser. Très bien. On va aller par où? On va aller par là. Ça peut être pas mal. On est à 31. Bon, ça va être facile. On va passer par là. Encore un personnage. Ok. On va tuer. Ou on va dire que Sandro et Bruno s'en occupent. Ah bah c'est fait. C'est parfait, très bien. Ah, il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Putain. Ah, très bien. Allez, allez, voilà, parfait. Il me reste 2 minutes pour tuer encore une centaine de personnes. Donc là, c'est bon. Voilà, je suis passé directement à 88 en peu de temps. Très bien. Allez, voilà, ils vont générer. Ah, putain, merde, voilà. Je pensais qu'ils allaient générer un peu plus de monde. Bon, c'est pas trop grave. Allez, encore 50 personnes. Parfait, allez. Une zone. Enfin, une base prise. Enfin, capturée. On va aller par là. On doit tourner à droite. En fait, on les suit tout simplement. Allez. C'est où la base? C'est là. Ah, dans une base là. Voilà. Ok. Là, je presse les 200. Voilà, j'ai les 200. Il me reste un. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Du coup, je peux normalement switcher sur Esther. C'est ce que je peux pas faire. Ce que je peux pas faire. Du coup, je vais switcher sur moi. Voilà, voilà, voilà. Parce que j'ai envie de m'améliorer encore plus, plus, plus. Même si mon arme, c'est pas de toutes celles que j'ai pu là tester, c'est pas forcément la plus intéressante. J'ai vu que quand même d'autres avaient des armes beaucoup plus... Enfin, c'était beaucoup plus rapide, plus dynamique. Et c'était du coup assez intéressant. Allez. Et se protège ce con.
Allez, bim. Ok. Putain, mais alors que certains ils font vraiment mal. Peut-être il a une bonne défense, je sais pas, mais en tout cas. Voilà, parfait. On continue. On continue par là. Donc là, normalement, de toute façon, on peut déjà attaquer la base principale. Voilà, c'est out pour eux. On n'est pas dans une base ennemie. Allez, là, je vais m'amuser. Là, ils sont beaucoup. Voilà. Ça peut être intéressant, peut-être parce que du coup, ils pourront travailler pour nous. Ou avec nous. Enfin, c'est selon. Hein. Selon comment on l'entend. Très bien. Putain, Aya. Putain, elle est coriace. Aya. Aya l'abeille. Ah. Voilà. Allez. Voilà, enfin, cette Aya n'est plus de ce monde. Je peux pas passer par là. Alors, je dois passer. Ah, voilà, je dois passer par là. Par ici, par ce petit chemin, n'est-ce pas? Et on bifurque. Ah, encore un objectif. Ah, on doit tuer. Ok. Ah oui, Temuzu attaque. Ok, mais il est où? Il est là. J'imagine que c'est ça, la Temuzu attaque. J'imagine que c'est ça. On va encore en faire une. Voilà, c'était bien ça, la Temuzu attaque. Voilà, juste lui faire comprendre comment je m'appelle, n'est-ce pas? Voilà. Très bien, donc là on est déjà dans la base ennemie. Hein. Ah mais c'est fini! Ah bah en fait c'était lui le leader. Donc c'était à moi de le battre. Donc voilà, notre relation avec Kenshin, enfin ma relation avec Kenshin, c'est encore, on va dire, a été encore plus en profondeur. Si on peut dire ça comme ça, si c'est très français. C'est très français, enfin c'est pas trop français. Ok, bah du coup, l'expérience augmente un peu moins vite. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Ah voilà, la petite scène entre moi et un chef de clan. Que va-t-il nous dire? Donc là voilà, mon némésis, mon ennemi numéro 1, mon rival. Donc voilà, il dit qu'il est content de... qu'ils vont pouvoir se rebattre dans le futur. Donc voilà. Avec mon bel habit. Je suis tout vêtu de noir et de rouge. Ah voilà, maintenant je suis un Sword Nemesis. Ah, tigre contre dragon. Ça m'a permis de décrocher un autre petit trophée, ce qui est très encourageant. Donc voilà, une relation entre Esther et Vitor. Intéressant. Du coup, enfin voilà, c'est cool qu'il y ait des relations avec les autres. Donc voilà, ça confirme que je suis, j'ai un rival, vraiment. Enfin, un Némésis. Nanana, with Batman become with... Ok. Ah, c'est un rival, Vitor, c'est un rival. C'est un rival, en fait, c'est pas une amitié. Ah, donc, Okoriku, Okoriku, United. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris une autre région. N'est-ce pas? Putain, là j'ai du monde là qui est venu. Voilà, donc là j'ai la grosse zone ici. Ici je dois la protéger. Là c'est bon. Ou pas? Non. Donc là je dois protéger cette zone. Bon bah on va faire tout simplement comme ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Putain, c'est bizarre comme, comme trophée que j'ai eu. Donc très bien. Ah, je dois indiquer une target. Autant vous dire que la target pour moi, ce sera par le sud. Donc on va aller par là. Très bien, on va pas tout de suite sauvegarder. Il n'y a pas encore de cutscene. On va déléguer tout ça à Nobunaga comme d'hab. Ok. Très bien. Et on continue. Donc on est déjà en 1567. J'ai pas encore assez de matériel, enfin d'argent pour pouvoir attaquer. Ouh, j'ai une certaine région qui a eu des bonus. Donc c'est très bien. C'est très bien. On va encore déléguer tout ça.
Donc voilà, il a voulu de l'or. Oh, putain, je suis à 99 000. Force de frappe. Ça commence à faire peur, je dois dire. Donc là, j'ai suffisamment de quoi envahir cette petite zone. Et c'est ce qu'on va faire. Et en plus, on a d'autres personnages. Donc autant vous dire que je vais faire... Ça va être plaisant de pouvoir utiliser d'autres personnages. Qui a une belle attaque, qui a une belle attaque. Qui a une belle attaque ici. Voilà, très bien. Ah merde. Attaque ici. Ok. Voilà, parfait. On va faire en 12 minutes parce que bon, c'est pas... C'est pas... Voilà, c'est pas les personnages que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais c'est cool de changer comme ça un peu de gameplay, voilà. Donc, une vie à sauver. Donc voilà, je passe le texte. C'est une relation entre le chef de clan et son bras droit. C'est très intense, ça peut être très intense. Voilà, donc là, étant donné qu'on utilise le chef de clan, donc il y a ces petites... Ouh. Du coup, je vais mettre des bonus, comment dire, des... Forcément, j'ai pas non plus. Alors, je vais utiliser ça et ça. Je sais pas si ça va beaucoup aider, mais en tout cas, je vais faire en sorte de faire au mieux, en fait. De faire au mieux. Donc j'ai mis à 12 minutes. Donc ok, lui il a une sorte de d'éventail géant. Donc étant donné que j'ai toujours utilisé voilà les mêmes personnages, ils sont un peu à la traîne au niveau des stats. Mais je pense que ça va aller. C'est pas, ça va pas être très compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que lui, il est pas très plaisant à jouer. Allez, voilà. Allez. Boum, ok. Allez. Faire encore un truc comme ça. Voilà, non, ça suffit pas. Ça suffit ou pas? Allez. Putain. Ah là là. Ok. Putain, mais... Putain, ils sont coriaces, hein, ils sont coriaces. C'est bon? Ok, parfait. Donc, genre, si je peux changer, je vais utiliser Nobunaga qui est là-bas. Ça... Ah, je peux pas. Je peux pas, mais je peux utiliser lui qui est là-bas. On va l'utiliser. Allez. Allez, comme ça, on fait aussi un peu... Putain. Ah, elle a une très belle épée aussi. Un peu mon style également. Oh là là. Putain, il y en a qui se protègent vraiment bien. Allez. Un peu spécial, voilà. Allez. Putain, il est paralysé. Allez. Ok, donc là, je vais faire comme ça directement. Voilà, des gros coups. Est-ce que c'est un peu comme moi? Non, c'est un peu comme style Victor finalement. Voilà, ok. Allez, une base presque à nous, c'est important. Parce que là, ça va prendre un peu plus de temps, les amis. Voilà, yes. Ça peut augmenter le moral de nos troupes. Donc c'est très bien. Il y a encore une autre zone là-bas. Mais on va pas prendre celle-ci tout de suite. On va prendre celle qui est là-bas. Parce que c'est là où il y a la zone rose. Et c'est là où on doit faire on doit faire nos preuves. On va dire ça comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas là que je devais aller. On va dire que je dois aller plus... Putain. Allez. Oh là là. Allez. On va faire mal comme ça. On va leur faire comprendre comment on s'appelle. Voilà. Parfait. Putain. Allez, tac. Allez, là, il peut rien faire quand j'ai mon coup spécial. Ok. Allez. Oh putain. Tac. Parfait. Putain, il est coriace, lui. Putain.
Allez. Donc les autres, ça se voit vraiment qu'il y a une différence quand on est... Quand on n'a pas été promu, on sent que la force de frappe, elle est moindre. Hein. Oh là là. Oh là là. Alors on va faire comme ça. Putain, il y en a 3 là. Ouais, Eden. Putain, mais est-ce que je vais réussir? Bon là, on commence à dominer, mais c'est pas suffisant quoi. Surtout que là, il n'y a aucun de mes alliés qui vient de m'aider. Donc autant vous dire, c'est vite compliqué. Allez, allez, vas-y. Encore, 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 encore. Putain. Voilà, le bel enchaînement. Le bel enchaînement. Est-ce que je peux faire encore comme ça? Voilà. Allez. Tac, tac. Allez. Putain. Ok, donc là, je vais faire mon coup spécial. Je vais faire mon coup spécial là-bas. Mais le problème, c'est qu'ils étaient pas aussi près. Ah, mais j'en ai eu quand même un. Plus qu'un. Plus qu'un. Allez. Allez. Ah, il y a un ami qui est venu m'aider. C'est bon, on a la zone. On a la zone. C'est bon signe. On peut aller là directement. On va suivre ce petit là-bas. Il est où? Ah, il est là. Allez là, on va suivre Nobu Kado Takeda. C'est... Voilà, du coup, on est ici. C'est là où il y a le boss, normalement. C'est là, ouais, c'est le château. Enfin, le camp principal. On va essayer de faire pas mal de dégâts. Ils font chier, ils font chier. Voilà, j'essaie de faire pas mal de dégâts. Allez. Putain, j'aurais dû faire un peu plus proche. Parce que du coup, moi je suis à 659 KO. À combien là je vais monter? Pas mal, pas mal. J'ai fait 100 KO. Allez. Allez les amis, faut venir m'aider, faut venir m'aider. Ah! Putain, j'ai fait quoi? Oh là là, putain, je savais pas que j'avais ça. Oh là là. Comment? Je savais même pas que j'avais ça. Oh là là. Oh là là. Oh là là. En fait, j'ai utilisé mon truc spécial. Allez. Ok, donc en fait, on peut utiliser... Je viens de découvrir maintenant. Après 4 épisodes, je découvre encore des choses. Comme quoi. Comme quoi, les amis. Allez. Tac, 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 tac. On fait le maximum de dégâts. Allez. Allez. C'est bon? Non, toujours pas. Ah, là, je peux l'utiliser encore. Je peux l'utiliser, je pense. Là, comme ça. Ah non, il m'en faut 5. Il m'en faut 5. Allez, mais de toute façon, il est presque mort. Je pense qu'il me faut 5 boules de cristal, on va dire ça comme ça. Pour pouvoir utiliser mon coup spécial. Oh là là, là là, là là, là là. Voilà, ok. Bon, de toute façon, il est presque mort là. Voilà, là je peux utiliser. Il est où? Il est où? Il est où? C'est là? Non, je peux pas utiliser, toujours pas. Ok, allez, on va faire ça directement. Voilà, allez, là c'est bon? Là c'est bon ou pas? Boum! Enfin! Voilà! Donc on gagne une nouvelle petite zone, c'est très bien. Avec avec qui? Il s'appelle comment lui? Donc en plus on était quand même avec notre chef de clan. Faut savoir que ils peuvent mourir. Bon, étant donné que je suis en facile, j'ai pas encore eu cette mésaventure de perdre quelqu'un définitivement. Donc voilà. Donc certains passent lieutenant, d'autres bon sont stratégistes et c'est maître de clan. Ah. Et voilà, bon bah du coup, certains, je peux les sélectionner dans les archives. Je sais pas trop ce que ça va nous servir, mais c'est toujours cool. Très bien. Très bien, donc on gagne 30 points de réputation. Donc comme d'habitude, on va en recruter certains. Ou pas, pas ça,
pas ça, pas ça, pas ça. Donc là, on est obligé d'avoir quelqu'un là aussi, du coup. Là aussi. Là, du coup, je suis plus obligé d'avoir quelqu'un. Tac. Tac, tac. Ah, ah voilà. Là, non plus. Là, non plus. Autant vous dire que je vais faire un petit plaisir pour les placer là. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est ma zone. Là aussi. Là, c'est bon. Là, j'ai besoin de personnes. Parfait. Donc, étant donné que j'ai besoin de personnes ici, ici non plus. Ici, oui. Ici, oui. Donc, je vais en placer certains. Attendez, ça, c'est où, ça? Ok, ça, c'est la zone. Et ça, c'est... Ok. Donc... Donc, voilà. On va en placer 3 là. Donc là non plus j'ai besoin de personne. Donc là c'est bon. Là il y en a que 3. On va en mettre 2. Là il y en a combien? C'est bon. Là, ils sont complets aussi. Donc là il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je vais les reprendre. Ok. Donc là je vais en mettre certains. Très bien. Là aussi. Donc si j'en ai 6 à chaque fois c'est top. Donc encore un. Très bien. Là c'est bon. Là c'est bon. Allez, encore un ici. Très bien. Et pour finir, là je suis bon. Là sinon je commence à être pas mal. Je commence à être pas mal. Donc je vais les mettre là. On va dire que ça commence à être les zones un peu plus dangereuses. Très bien. On va faire une petite délégation au niveau de Nobunaga. Donc quelle zone on va attaquer? C'est celle-ci. Très bien. On va faire une petite délégation pour gentiment terminer cet épisode. Donc voilà, ils soignent les troupes. On est à 105 000 quand même. Et voilà, le commerce qui augmente également. Très bien. Donc voilà, donc on va arrêter ici cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Allez, tchuss les gens!